Albi, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash Royale sur le défi du tirage. Voilà, donc je perds pas de temps, je le commence directement. On va prendre le poison. Et en ce moment, je compte faire des intros beaucoup plus rapides. Hein. Voilà, je trouvais qu'ils étaient un peu trop longues. Là, on va prendre l'arc-œil, ça va être un peu cancéreux. Et on va jouer la princesse ou le fût. La princesse, allez. Faisons les petits foufous. Ouais, je compte faire des intros beaucoup plus rapidement parce que ça doit vous embêter quand c'est trop long, je pense. Je serai à votre place, ça m'embêterait un peu. Ok, donc il joue Sapeur-Tombelle. Donc contre le prince, c'est un peu relou. On va mettre le poison. Enfin, avec le prince, un peu relou. On va même mettre le petit gobelin à sa à lance. Non, pas à lance, le gobelin à... Ah merde, comment ça s'appelle? Sarbacane, voilà. Je joue tellement pas cette carte. Ok, d'accord. Bien joué ça. Bien joué. Ça va faire des dégâts. Donc sa pierre tombale est assez embêtante. On va mettre la princesse. Ah. En fin de compte, le sort de foudre là se met beaucoup mieux. Oh, mais en plus on touche le golem de glace, du coup c'est nickel. Non, on va pas jouer le prince. D'accord, donc il sait pas trop jouer. Ok. Ça c'est nickel. En plus le petit gobelin Sarbacane ne meurt pas. Donc voilà, ça c'est nickel, c'est parfait. C'est propre. On prend une tour. D'ailleurs, les gargouilles n'étaient même pas obligatoires, je pense. Bon, voilà, c'est pour augmenter encore plus la défense. Là, on est bien. On va juste défendre et puis on attaquera s'il y aura besoin d'attaquer. Hein. On se presse pas. Ok, je joue la sorcière. Donc, nous, on va jouer la princesse là. Et on prépare le sort de foudre. Ok, oui, il aurait une petite pierre tombale. Voilà. Il a toujours pas compris que je jouais le sort de foudre. Ok, donc ça touche la princesse. Là, on va mettre l'arc X pour dévier le ballon. Et ça ne marche pas, c'est magnifique, c'est nickel. Oh, dommage, dommage. Pourquoi il joue des deux côtés comme ça? Hop, on défend en max. Voilà. Donc là on va carrément poser un sort de foudre. Est-ce que ça touche le ballon? Eh ben non. Eh, c'est vraiment fail le surfail là. C'est horrible. Allez. Oh, non, il touche la tour. Il la prend. Oh là là. C'est fail le surfail. Je fais n'importe quoi. Hop. On joue poison. On joue le prince ténébreux. Non, mais touche pas ça, mec. Sérieusement. Allez, allez. Nickel. Allez, on prend la tour. Et c'est une victoire. Magnifique. C'est une victoire. Voilà. Bien joué. Donc j'ai vraiment fait de la merde hein, avec le ballon, là. La première fois, l'arc X ne l'a pas dévié. La deuxième fois, j'ai chié mon sort de foudre. Là, je serais tenté de prendre le PKF. Par curiosité. Ah, du coup j'aurais pas dû. Il y a le géant royal. Bon, on va quand même le prendre le géant royal. Hein. C'est une super carte. Hein. Après on pourra mettre PK et peut-être géant royal derrière pour que le PK défende un petit peu. On verra. Oh, dragon de l'enfer Zappy. C'est pas ouf. On va commencer avec un Zappy. Hein. Donc petite astuce. Hein. Si vous venez de débuter ou que vous saviez pas encore, jouez vos cartes à 9,5 d'élixir et pas 10. En fait, le temps que la carte se pose, la moitié d'élixir, bah, vous l'aurez déjà récupéré. Donc là, on va poser le géant royal. Et derrière, les petites archères. Donc on va essayer de voir ce qu'il joue. Ok, poison. Donc là, il a mis ses petits gobelins
à Lens, je crois. Hop, on va dévier le prince. Non, non. Oh là là. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Ah bah, il tape quand même. C'est vraiment chaud de jouer à la souris. Je me suis pas encore habitué. Donc là, on va jouer le dragon de l'enfer. Faut vraiment que je m'habitue à jouer à la souris, c'est horrible. Bon, on a encore l'avantage. Ok. Donc le dragon de l'enfer, j'aime pas du tout cette carte. Hein. C'est, je la trouve vraiment naze. Là, on est en général pour défendre, on est obligé. Il va se faire démonte, mais c'est pour le bien de la communauté. C'est pour une bonne cause, hein, bien sûr. Ok, il joue dragon. Dragon. Alors, genre, elle va toucher une et deux. Non, une. On met les archers pour pas prendre trop de dégâts. Donc, le PK qu'on n'a pas encore posé. Il peut passer le PK. Hein. Il a pas d'énormes. Enfin, il a pas beaucoup de petites cartes. Voilà, il a. À part les gobelins à lance, il a pas énormément de petites cartes. Allez, pas encore. Oh non, elle a retapé. Ouais, je. Cette chance. Ok, donc les gobelins ont tapé. Les gobelins, les gardes. Pardon, les gardes ont tapé. Oh. Dangereux le petit là. Bon, le PK qui se fait dévier de partout avec le cimetière. Hein. On va essayer avec un PK. C'est vraiment un play de merde, mais on va essayer quand même. Juste pour le fun. Donc là, il va mettre ses gobelins à lance peut-être, non? Allez le PK, ok, c'est pas les gobelins lance qui vont nous gêner. Allez le PK, un coup au moins. Un coup, allez. Oui, on a. Non, on n'a pas tapé. Je crois qu'on n'a pas tapé. Hein. Alors là, on est vraiment dans la merde. Mais vraiment, le prince est archi fort. Ouais, bah là, on a perdu 2 tours. C'est la lose. C'est la lose. On va essayer de niquer quand même la tour de droite. Je pense qu'il va mettre son extracteur. Et de toute façon, on n'aura pas le temps. Bien joué. Non, voilà, on n'aura pas le temps. Dommage, dommage, dommage. C'était vraiment une grosse erreur d'avoir pris le PK au lieu de l'extracteur au début. Bon, moi, bah, ça fait une victoire et une défaite. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite vraiment à jouer au défi du tirage classique. Enfin, défi du tirage. C'est vraiment une super occasion de gagner des cartes gratos. Et donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. La prochaine fois, ce sera sûrement du cross maga. Et sur ce, je vous dis à plus!